normalement, petit matin et dernier lever de soleil en Corse, car nous traversons aujourd'hui, nous commençons la traversée. Actuellement, toujours à Tizzani. Départ du dernier mouillage corse de cette croisière. Qu'est-ce que tu fais le Tani? De Tizzano. Oula, il y a le petit zèbre qui souffle là, que c'est sympathique. On l'a attendu, il est... Quelle heure est-il, Marco? 10h17. Oh, 10h17, ça va, c'est propre. Et c'est parti. Parti à 10h15. Il est 12h30. On n'a pas fait grand-chose, mais on l'a bien fait. On a bien fait de le faire, c'est déjà ça de fait. Quoi donc? On a dû faire 5-6 000. Grand maximum, à 3 nœuds de moyenne. Là, il y a un peu d'air qui rentre, c'est bien. On est sur un bon cap, on va pas se plaindre. Allez, on remonte la course, on est parallèle à l'île. On rentre bientôt dans le golfe de Valinco, là-bas, c'est-à-dire au Propriano. Et on grimpe. Il faut qu'on dépasse Ajaccio. Et nous allons aller chercher, espérons, selon les grippes, un flux de sud-ouest qui va remonter comme ça, pour venir nous cueillir et nous ramener en bordure de flux sur le Var. Qu'est-ce que tu nous as fait de bon là, Marco? Mais j'en ai aucune idée. Ça part sur quoi? Ton maillot allégé, blanchi. Voilà. Ton maillot. Je sais rien. Ton maillot allégé, blanchi. Ça rien que ça, ça m'a plu. Je sais pas. C'est magnifique. Après, mais toi là, à un moment donné, à côté. Allez, c'est une petite place. Allez, vas-y. Allez. Alors, et qu'est-ce qu'on boit avec ça? Le rosé du restaurant d'hier soir. Voilà. L'eau fournelle. Non, 4h58. Enfin, moi j'ai mis mon truc légèrement en retard, une quart d'heure, une demi-heure. Moi j'ai 6h. 6h, ouais, mais je l'ai mis une heure après, c'est ça, 5h. Là on est revenu dans le trafic, on s'est rapproché de la côte, l'entrée du golfe d'Ajaccio. Parce que ça va pas se faire tout seul, je suis assez en retard et ça avance. On marche à 4 nœuds, on s'est marqué là, ça va pas vite, mais ça avance. J'allais le faire, ça m'occupait moi. Ça va, tu feras à manger, c'est pas grave.
pas gagné. Mais les raviolis sont là, dans la place, dehors. La fin du coucher de soleil. Ça, c'est magnifique. Un ferry, pas loin, vraiment pas loin. Du matin, je viens de prendre mon second car, tout le monde dort à l'intérieur, je me suis fait un petit café et je me prends une madeleine, voilà, ça c'est bon ça. Dehors, c'est calme, il y a quand même eu du trafic, m'a dit Denis. On va tenir jusqu'à 6h, il fera jour et j'irai réveiller le Marco ou pas, si je suis pas fatigué, que le jour se lève, ça va être magnifique. Les premières lueurs derrière moi, il est 5h15 du matin, tout le monde dort bien d'abord, la nuit s'achève. 40 minutes, il fera clair, et une heure et demie, un soleil. Voilà, on marche bien, là on est à 5 nœuds, 1800 tours moteur, et GV plus génois. Tout va bien, très belle nuit, tout le monde dort bien. 5h30 entre Corse et continent. Nous sommes à 50-60 000 de la Corse. Six heures et demie. Il est là. Le Marco ? Non. Enfin, okay, le Marco aussi, mais on s'en fout, c'est pas ça. Pas de ça dont il s'agit. C'est du soleil. Là, regarde. Alors, après une journée entière au moteur, enfin une nuit et une journée, nous avons quand même conservé la grande voile parce que nous espérions toucher un peu de vent, bien sûr. Mais nous n'avons rien pris. Rien. Alors là, on va affaler la grande voile. C'est parti. Nous sommes en vue des îles de Porquerolles, de Porquerolles et du Levant. On va faire un stop. Là, il doit être 19h, 18h30, et on va s'y arrêter ce soir. On y va ? Ouais. Ah, voilà. Ah ouais, voilà, très bien ma technique. Tu la replaces comme ça. C'est mieux que Glénat ici. Tu vas apprendre les choses. On toucherait presque au but. Parti hier matin. Je sais pas, 10h30 de Tizane, on s'est entêté à remonter la côte pour faire un peu de voile. Après, on s'est décidé à traverser, on a dû mettre le moteur face au sanguinaire, enfin en dessous. Hein. Et ça fait donc 2 jours. Et
nous voilà au sud. On attaque Porquerolles par la face sud. C'est beau. Où va-t-il me faire aller encore? Tu vas raconter encore? Rien, voyons! Alors, Denis, on n'est pas comme ça! Du tout! On t'a sorti de tes songes? À posto. Prêt à mouiller. Allez, on envoie, mets un coup de frein. 4 mètres. Mètres au gain d'eau. Ouais, c'est bon, attends. C'est bon, c'est bon. Recule un peu, Denis. Ok. Comment? Comment tu as mis? Bravo. Ça deviendrait presque une habitude. Des réflexes. Je vais prendre ta place. Des réflexes. Je vais aller en remplacement. Avec Denis, on va ouvrir une école. Une quoi? Une école de mouillage. Bah vous. On va mouiller. De mouiller. On fait que ça. Vous êtes des mouilleurs. Eh bien voilà les gars. Eh ben voilà. Et Pierrot. Nous sommes rentrés. Merci Jean-Paul. Merci Tabasco surtout. Comme il va apprécier quand on va couper le moteur. Et nous donc. Là t'as pas besoin d'aller en Corse si tu vois des beaux paysages. Mais voilà, regarde. C'est là pour une caisse à aller chercher. Parce quoi? Non mais c'était une très très bonne occasion. Par contre, on est d'accord, on les monte pas en Normandie. Alors, au chaud uniquement, on est d'accord. Pas avec Tabasco du moins. Ça va être compliqué là. Ah, ça va, hein. Et maintenant. Je coupe le moteur. Oh oui, s'il te plaît. On passe à la suite. On va voir ce que ça fait, moteur coupé. J'ai peur d'avoir une érection. C'est dans la boîte. Mais non. Mais... Je peux pas partir là-dessus, je m'étais bien tenu pendant une semaine. Ah bah non. Regarde, écoute. Petit matin, le soleil se lève sur Porquerolles. Nous voilà repartis ce matin. Denis va chercher le vent. Oui, on a le peu de vent. Tu vas chercher bonheur en cherchant le vent? Il est là, on va y aller. Je sais pas si on va arriver à sortir. Mais on va aller où? De la baie. En effet. Ça va peut-être pas durer longtemps, mais c'est déjà ça de fait. Énième tentative pour faire de la voile. À l'intérieur, l'apéro se prépare. Denis et Marco préparent. Ça sent bon. Et dehors, ça avance. Bon, nous devrions aller par là-bas. Comme ça, mais c'est pas grave, on n'est pas pressé, on fait de la voile, ça agite, c'est tout bien bon. Qu'est-ce qu'il est crado le pauvre Tabasco. Oh, ça fait mal, ça fait mal. On la verra ce soir ou demain au sport. Ce
se donner le thème pour faire une croisière. J'aimerais bien qu'on fasse les plus beaux terrains de pétanque de l'arc méditerranéen. Ah, assiette. Allez, viens avec moi, Marco, là. Ah, ça y est, c'est la réconciliation. Viens sur les genoux de tonton. On est reparti. K&K pour se manger la bonne salade. Mais tu sais qu'il y a un petit winch à sel aussi. Hein. Ouais, mais tu sais, moi, tout ce qui est en rapport avec la voile. Ah non, pas trop ton truc. Non, non. Le winch est sympa quand même. Non, non. Ouais. Super cadeau, hein. J'ai interdiction de wincher. Vous attendez que je sois en bas pour wincher. Oh, ça. Ça va. Là, on voit que tu as pris soin de mouiller sur. Sur quoi tu as mouillé? Ouh, il veut pas. Sur quoi tu as mouillé? Sur du. Là, sur le sable, pourquoi? Eh ben, parce qu'il faut le dire, hein. C'est très important. Ah, mais je croyais que c'était la règle, moi. Mais oui, c'est la règle. C'est la règle. Tout le monde fait ça et nous, on montre qu'on fait comme tout le monde. C'est Olavetz, d'ailleurs. Olavetz. Qu'est-ce qu'il y a d'Olavetz? Faut leur dire. Ah, oui, très juste. Très juste. Ouais, non. Oui, on mouille le plus souvent possible sur du sable. Alors là, on vient chercher une tache de sable au milieu des Posidonies pour mouiller. Et Marco me rappelle, on l'avait dit, donc nous avons mouillé comme on a pu, un peu en dehors d'une tache de sable, on a mouillé sur les Posidonies parce que c'est très très étroit. Et en partant, il y a un gentil guide qui nous a informé que c'était craignos pour nous, parce que si les guides venaient, eh bien, ils risquaient de nous mettre une amende. Parce qu'on avait mouillé sur la Posidonie. Donc il nous a dit, je vous conseille vivement de décaler votre ancre et de la mettre sur du sable. Et là, on a un voilier. On a un voilier ami. Eh bien également. Vous partez alors? Ah. Eh bien nous, on en arrive de Corse. Bon vent. Beau bateau, hein, l'Océanis 34. Ouais. Magnifique. C'est avec les vidéos que je l'ai choisi. Ah ben bon. Super, merci! Au plaisir! Voilà l'état d'esprit Tabasco Channel. Super! Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Le star. Ah, tu parles. Le star. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça serait bien. Non, c'est pas vrai. C'est bien. C'est que des gentilles personnes, sûrement, ces gens-là. Je pensais qu'ils venaient mouiller. J'ai dit, tiens, c'est cool, ils mouillent. On va se boire un coup ensemble. C'est bon, le tien. Oh, c'est pas gentil ça. Il est beau en gris, il est désagréable. Ton bateau. Ouais, il est beau. Ouais. 20 mètres au guindeau. Pas du tout le même bateau. 20 mètres au guindeau, on est rentré dessus. Ouais. On est remonté dessus. Tu veux y aller à la nage, la bandole de nous, hein? Tu veux finir comment? Sur le cul de tes caisses, là, au large Peut-être qu'elle flotte, hein? On va vérifier. Voir si tes caisses flottent et finir sur les caisses. Être désagréable avec mon tabasco comme ça. C'est vrai qu'il est très beau en gris. C'est l'édition limitée, ça. Ah oui. Non, je ne sais pas ce qu'elle a vraiment de plus, à part la couleur. Ah, le monsieur, qu'est-ce qu'il nous remonte? Au milieu des baigneurs, comme ça. Très cool. Le pêcheur, au milieu des embarcations. Au milieu des embarcations et des baigneurs. Comme de tradition, le petit mouillage aux zambiers, avant de rentrer au port. Parce qu'on n'a jamais envie de rentrer au port. Un bateau de 24 pieds, c'est bien aussi. Pourquoi? Ça va plus vite. C'est déjà trop grand, 34. Quand et tous les gens qui rêvent d'un 44. Ouais, mais je pense qu'ils ont le personnel pour tromper. Ah, comme moi, quoi. Ah ouais. Quand je serai grand, finalement. Moi qui tiendrai le tuyau. Finalement. Ouais, c'est ça. C'est le vieux qui tient le tuyau, l'ancien. On lui demande à Denis comment ça se passe pour lui. Bon, je pense que ça va bien. Denis, pas trop mal au poignet, hein. Denis, ça se passe bien pour toi? C'est parce qu'il y a le plus dur, hein. Ah bon? C'est technique quand même. Ouais, bah oui. Tu vois, Marco, tu es mauvaise langue, tu me disais Denis il en bave avec son tuyau et tout ça, tu me disais, tu vois, ouais, comme quoi on peut se tromper. Il fait des nœuds. Bah, de temps en temps ça s'accroche. Mais quand je serai grand, c'est moi qui tiendrai le tuyau. Et moi je serai plus là. Hein. Ça c'est une autre affaire, j'espère que tu seras là. Allez, ah, c'est la moindre des choses.